Vidéo, la journaliste d'Europe 1 et de CNews n'a pas réussi à tenir son émotion en évoquant sa mère récemment décédée. Après l'attention, placez l'émotion. Saturday Evening, invité de Watan Era sur France 2. Sonia Mabrouk a d'abord échangé avec Élise Lucet sur un éventuel rapport, enquête en espèces, sur la télévision de France avant laisser aller à quelques larmes. Raison: l'évocation de sa mère récemment décédée. Bien qu'en désaccord avec son invité, en particulier sur ce qu'elle dit dans son dernier livre, dans le cadre du sacré, Léa Salamé voulait souligner qu'elle avait été touchée par le passage consacré à sa mère. Je dois dire que même s'il y a des choses que je ne partage pas avec vous, ce qui est très touchant dans votre livre, c'est quand vous parlez de votre mère. Vous dites que vous avez perdu votre mère il y a 5 mois et que le sacré vous a sauvé, permis de surmonter ce test. Je voulais vous dire que j'étais ce qui m'avait le plus touché dans votre livre, a déclaré l'hôte. Lisez aussi, c'est un peu notre argent. Sonia Mabrouk défie Élise Lucet pour faire une enquête sur la France Télévisions. Sonia Mabrouk a ensuite été interrogée par Christophe de Chavannes du côté intime du sacré. Le sacré est quand la main de votre mère entre dans vos cheveux lorsque vous êtes dans la chambre de votre enfant. Ce moment, quand vous avez perdu votre mère ou qu'elle est là, est l'espace entre la main de cette mère et les cheveux de cet enfant. C'est là que vit le ciel. Moi, c'est le sacré. Et quand il est apparu sur grand écran devant elle une photo de sa mère, Sonia Mabrouk ne pouvait pas retenir ses larmes. Non, mais c'est vrai, c'est touchant. Que veux-tu, je te le dis? C'est très touchant la façon dont vous parlez de ta mère. Cette photo, Sonia Mabrouk l'a postée le 13 octobre sur son compte Instagram pour annoncer la mort de sa mère. Ma maman adorée, l'amour de ma mère, mon tout, mon Soraya. Je ne sais pas si je fais bien de publier ce message parce que vous étiez si discret et modeste. Vous êtes partie.